Joe? Oui. 35 000? 35 000 quoi? Mais 35 000 vues! Tu sais, sur notre vidéo d'Halloween! La vidéo sur Thriller? Oui, c'est ça! 35 000 vues! C'est énorme. Ça se fête! À la vôtre! Santé! Bonjour, faut que je te dise quelque chose. Il y a les enquêteurs qui m'ont appelé. En fait, mon dossier, il est classé sans suite. Les enquêteurs n'ont pas trouvé la personne qui a mis le feu chez moi. Du coup, voilà. Je suis coincé. Mais c'est pas grave, tu resteras chez moi, Charles. De toute façon, j'aurais pas le choix, hein. J'ai plus d'argent et puis mon assureur me lâche, alors. Je suis coincé. Il faut que je t'avoue quelque chose. Tu sais, ma vie est insignifiante et je n'étais qu'un vulgaire prof de philo. Je ne suis qu'un vulgaire prof de philosophie. Du coup, je voulais un peu pimenter ma vie. Je me suis donc inscrit dans une agence d'espionnage en vue de faire le bien. Ils m'ont proposé de brûler un appartement, celui d'un dealer, un mafieux italien. Je m'y suis rendu, le courage à la main. Et je me suis trompé d'appartement. J'ai brûlé le tien, Charles. Ça y est, là, tu me refais encore tes hallucinations, en fait. Si c'est drôle, moi je trouve pas ça drôle, en tout cas. Hein. Mais non, Charles, je devais brûler l'appartement B12, j'ai pu les brûler le B13. Excuse-moi. Et pourquoi le B13? Regarde! Je vais te tuer. Pardon. Je vais te tuer. Quand la musique est bonne, bonne, bonne. Tellement manqué. J'étais triste sans ta présence. J'étais tellement triste que j'ai mis un 20 sur 20 à toutes mes copies de philosophie. Ah oui, quand même. Ça manque. Mais Ça manque. C'est pas pour autant que je vais te pardonner, Joe. Binoclard. British. Oh ma cap. Thank you.
bitch. Quoi, bitch? I'm watching you, bitch. Tu vas quand même pas me juger sur mes goûts alimentaires maintenant. J'aime les bitch, oui, alors. J'aime ce saveur chocolaté. À plus, ciao. Ciao, ciao. De plus, Bonjour Charles. Hein? On fait la paix. Ok, très bien. On fait la paix. J'étais justement en train d'appeler tous tes étudiants pour leur donner le sujet du contrôle de jeudi en philo que tu leur prépares. Bonjour Jean-Octave, on fait toujours la paix. Bonjour Charles, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des carottes. Et demain? Des carottes. Et jeudi? Des carottes. Non mais ça fera pas de mal, hein. Ça rend aimable, tu sais, les carottes. Hein. Et puis, ça fait maigrir. Au fait, Charles... Tais-toi, j'ai dit que je te parlais pas, toi. Ça a été tes soirées. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Dans le monde, je ne te parle pas. Tu sais que dans 9 mois, tu vas être 7 fois papa. Pardon? Quoi? Quoi? Eh oui, par vengeance, j'ai pris toutes tes capotes et you, je les ai toutes percées. Non. Fais ça. T'as pas fait ça, dis-moi. Jo, t'as pas fait ça quand même. Si. 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 Ça peut faire bracelet. Ça peut faire boucle d'oreille. Ça peut faire piercing. Ça peut faire piercing dans le nez aussi, comme ça. Ça peut faire lunettes. Ça peut faire bandeau. Je vais te... Charles. Qu'est-ce que t'as fait à mon livre, Charles?
Charles, qu'est-ce que tu as fait à mon livre? Et toi, qu'est-ce que tu as fait à mon appartement, Jo? Mais Jo, mais qu'est-ce que tu as fait à mon appartement? Charles, c'est un livre de philosophie d'André Comte Sponville. Mais Jo, mais c'était mon appartement où je vivais. Je vais te tuer. Oh.